Plop la VOD, plop YouTube, plop PeerTube. On reprend tout de suite la suite. Hein. Je redétaille pas les quêtes PNJ vu que en stream et donc IRL c'est à la suite. Par contre, ce que je j'ai pas fait gaffe, c'est que là je suis à 91 de bleu. Et ce que j'ai l'impression, c'est que c'est plus le rouge qui est en train de m'embêter que le bleu. Alors ce que je vais faire, je vais dépenser du coup là tout de suite. Je vais dépenser juste. Je me demande un petit peu. Donc ça, il y a la prière combinée. À propos des besoins de l'église permet d'obtenir plus de foi et de dons. Là, des dons plus importants. Donc celui-là, il m'a l'air en fait intéressant juste pour ça, quoi. Juste pour utiliser des prières avec un peu plus d'argent peut-être, voire combien. Ah oui, et les cérémonies rapporteront plus d'argent quoi qu'il arrive avec le talent cardinal. Donc ça m'a l'air important vu qu'on commence à avoir besoin de 12 pièces d'or pour Mademoiselle Charme. C'est pas rien. Une pelouse, station de prière en bois. Ça peut être intéressant pour améliorer, je pense, le décor dehors, mais je ne suis pas sûr. Ça, on s'en fiche. Ça, je prends tout de suite l'engrais enrichi, comme ça, dès que je pourrai le faire, ça peut être bien, je pense, d'avoir des graines qui s'améliorent, si c'est bien ça, et ou des quantités plus grandes. Qualité et quantité. Moi je crois que j'ai fait que le... j'ai fait celui-là il me semble. C'est l'engrais enrichi, pas la qualité. Donc je pense que c'est la quantité du coup. Donc je vais tout de suite prendre ça. Comme ça dès que... Enfin je peux avoir les recettes dès que je réussis à faire en alchimie ce qu'il faut. Le jus de pomme et le jus de baie fermenté. Pourquoi pas, mais en même temps, pourquoi? ça fait 25 plus 50, ça commence à faire quand même beaucoup de bleu. J'ai dit que j'étais bloqué par le rouge, mais le bleu, c'est pas comme s'il coulait à flot non plus. Joaillier, ça peut être sympa de faire des lingots d'or et d'argent, mais je pense qu'ils seront utiles que à ce niveau-là. Donc pas tout de suite non plus. Établi à bois 2. Ah, j'avais pas vu qu'on... J'avais oublié qu'on pouvait voir ça. Donc, établi à bois 2, il me semble que c'est ce que je veux faire ici. Voilà, schéma établi à bois 2. Donc, je peux pas encore faire l'armure en acier à cause de ça. Les bijoux, tout ça, c'est intéressant, mais peut-être pas tout de suite. Ah, oh, je peux faire le verre. La lentille optique, c'est établi à bois 2 aussi. Bah voilà. L'établi à bois 2, c'est vraiment indispensable, là, tout de suite. Ingénierie, pompe à eau. Oh, pompe à eau. Eh ben. Ok. Donc là, oui, c'est le rouge qui me bloque pour ça. Truc du métier, prière d'excellence. Charpentier, maçon, oui, ça peut être bien. 50 quand même. Je pensais plus faire des petits trucs un peu, j'allais dire pourris, mais les cuissons en céramique, peut-être le minerai, même si ça, je suis moins sûr. Ça s'appelle quoi? Étagère mortuaire, table d'embaumement. Ça peut être bien aussi d'améliorer par là. Je pense que je vais prendre ça. Pour améliorer, pour plus me motiver à faire de l'alchimie encore. Faut que je garde combien pour... Faut que je garde 20. Du coup, j'ai encore 15 à dépenser, si je veux. Ah, la prière de foi, c'était tentant quand même.
déjà le talent charpentier maçon, c'est là. D'accord, donc je peux plus l'avoir. De toute façon, celui-ci est un peu plus important là tout de suite. Il me bloque plus de choses. Du coup, je vais prendre le cardinal. Voilà. Donc il faut que je me fasse. Alors qu'est-ce que j'ai augmenté du coup? Donc les engrais, ça on verra quand on peut. J'ai augmenté le. C'était où? Non. Non. L'alchimie avancée. Donc établi d'alchimie 2 et cube à distiller. Établi d'alchimie de culpa distillée et faire les prières de charité, prières de charité et combiner, c'est comme ça que ça s'appelait. C'est dommage que quand on est à la manette, on voit pas bien quoi. Je crois que c'était ça. Du coup, on va tout de suite voir si on peut faire les prières combinées. Il me manque un. Ah oui, mais j'en avais déjà d'autres que j'ai pas fait. Je pourrais faire. J'aurais pu faire ça. Par contre, imagination. Donc il me faut soit un chapitre de qualité plus ou moins élevé. Ah oui, mais j'ai pas de foi en fait. Ok. C'est dommage que là, on ne voit pas vraiment les apports tout de suite. Ah non, ça c'était une prière courante, pas une prière de foi. Ah oui, je comprends mieux pourquoi la prière pour les cultures était déjà... est déjà mieux en fait. Ok. Ok, donc il me faut des chapitres. Stimulateur de croissance ou exhausteur de goût ou élixir d'énergie. Moi j'avais réussi à faire un élixir d'énergie de mémoire. Essayer de se faire une autre prière. Hop. Rapidement, vu que c'est déjà bientôt la nuit. Et du coup, soit une... Ah non, mais j'ai pas de foi. Bah, on va. On verra la prochaine fois. Livre! Livre rouge quoi, exactement ce qu'on a besoin. Ça fait deux fois d'affilée. Bon, on a eu pas mal qui ne nous servaient pas à grand chose avant. Et oui, je souhaiterais prononcer quelques mots. Notre église est merveilleuse, tout le monde trouve ça sympa. À présent, prions pour cette bénédiction. Bienvenue. Je peux pas passer par là. Je gagne une histoire. Ok. Je sais pas pourquoi il y avait une histoire par là. Peut-être que j'ai loupé une fois.
quelqu'un qui avait de la foi. Pas très grave. C'est un peu embêtant parce que... Enfin, qui est venu prier. C'est un peu embêtant, mais c'est pas très grave. Hop. Là, pour faire un livre... C'est vraiment de la foi qu'on aurait dû faire il y a longtemps, je suppose. Voilà. D'ailleurs, vu qu'on a eu le bouquin rouge et qu'on a regagné un peu de bleu entre temps, on fait tout de suite le support de montage pour avoir l'établi en bois 2 et la construction en bois. C'est important. Alors, de mémoire, on avait l'établi d'alchimie 2 et le cube à distiller. Donc 20 pierres et 8 pièces de fer complexe. L'établi d'alchimie 2, c'est lequel? C'est celui-là, non? Ouais. Ok. Faut que je l'enlève pour le faire. Donc 20 pierres, 8 pièces de fer complexe. Et ça pour le moment on verra plus tard. 20 pierres, 8 pièces de fer complexe. On va se stocker un cube d'alchimie là en bas. J'ai pas posé la prière. Ça, ça a fini. Il y a lui ici. Faut pouvoir monter. Je crois. Je crois qu'il faut que je le remonte. Là, il y en a bien un qui travaille, oui. Genre, il a utilisé toutes les pierres polies déjà. Eh ben, fais-toi-en d'autres. Voilà. Et par contre, il va falloir faire quelques. Oh, oui, ça. Quelques poutres. Directement, comme ça on atteindra, on saura à combien on est. Alors, on a dit 8 pour lui, mais là ça va pas assez.
ça vaut que 3. Il manque 3 ici. Il manque 3 ici. Genre. Laisse au maximum. Laisse au maximum. Il manque 3 ici. Au final, ça a pris pas mal d'énergie de faire le bouquin là. C'était rapide, mais ça a pris beaucoup d'énergie. Voilà. Je suis presque à 100. Là, 1, 2, 3. J'ai pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc celui-ci. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le RIP. Ici, beaucoup trop. Ici, beaucoup trop aussi. Là, c'était plutôt 4 à 4. Lui, beaucoup trop. Et lui, beaucoup trop aussi. D'ailleurs, ça me rappelle que j'en ai au sous-sol et qu'il faudrait que je les améliore. En parlant du sous-sol... Non, je ne vais pas aller tout de suite au sous-sol faire des prospectus pour vendre plus de caisses. Ça me paraît pas contre-productif non plus, mais pas loin. Là, ça j'en étais sûr. Améliorer l'établi avant de faire des ciseaux. Non, j'ai tiré des ciseaux à bois. Des burins, c'est ça. Pour qu'il fasse des pierres polies à l'infini. Alors. C'est quand même vachement mieux que la dernière fois. Où je n'avais plus assez de place. Faire du houblon là. Alors on récupère d'abord ça, on récupère ça et on pose les graines. Je crois que c'est tout bon. Je pourrais presque aller vendre tous les... Vous avez essayé toute autre fabrication pour voir quand c'est celle-ci. Je pourrais presque me mettre à revendre 100 ou 200 déchets agricoles là. Beaucoup. Et ça ne me
ne sert pas à grand chose en soi. Où est-ce que je vais? Hop, je vais au sous-sol poser mes raisins. Et mon blond. Amélioré, il y a deux emplacements, ouais, c'est mignon. Alors, on peut faire une armure en acier. Je veux l'anti-optique. Ah, il faut de la pâte à polir et de la foie. Des constructions en bois, ça c'est bien. Par contre, les croix en bois, tout ça, on s'en fiche un petit peu plus. Purée en acier, je suppose qu'ils vont résister plus longtemps. Je vais en faire un en fer aussi. On ne sait jamais. Et deux boîtes de construction. Très bien.
moins 1. Ça rapporte combien? Ça rapporte que 1. Oh là là. Ah. Lui est intéressant. Alors, 4, 5, 6. Là qui est à moins 1 et... enfin, ces deux là aussi il faudrait peut-être les exhumer, ils rapporteraient pas beaucoup. Elle est à combien cette croix? 2, 3,
étudier tout ça. Du coup, je vais ramener tout ça au sous-sol pour y étudier. Si je veux commencer à cramer tous ceux qui sont... à exhumer tous ceux qui sont mauvais, il va falloir pas mal de lieux de crémation. Donc des billes de bois. Par 8. Mais ça tombe bien, j'ai un approvisionnement de bois illimité. Je vais poser tout ça au sous-sol. Genre, il y a zéro place. Pourquoi tu veux pas... Ah, j'ai pas... Oui. Des bâtons. Où est-ce que j'ai des bâtons? Là, déjà. Si j'arrive à y aller... pas trop la pâte à polir, mais en fait les bâtons de bois sont peut-être pas aussi illimités que ce que je ne pensais, ou alors ils sont illimités que dans la forêt peut-être, et ou sur la colline. Jour de serpent, vite. D'ailleurs le jour de... comment il s'appelle, le jour du marchand, on l'a totalement ignoré. Est-ce que... C'est vraiment de... Fourchette salée, miroir de l'orgueil, charmoire dans l'éternel. Théoriquement, si jamais je réussis à récupérer tout ça, c'est la fin du jeu. Théoriquement. Des genres de cerises sur un arbre mort, c'était un peu bizarre. Vu que l'arbre est mort, il ne peut pas avoir de cerises. Voilà.
Ah, j'aurais dû. Donc j'étais là-haut. Poser le. La tourbe. Le fumier. Est-ce que je peux passer? Oh mince! Il a dû partir là du coup. Vu que la nuit est en train de se coucher, il a dû partir déjà. Ou il est en train quoi, mais. Dans le dernier épisode, on l'a loupé alors que la croix de l'église, elle était juste à la limite. Donc on a encore loupé serpent. Dommage. Alors, ça faut que je le pose là-haut. Sinon c'est tout. Je peux peut-être mettre équipé gauche. J'ai plus de bâton, c'est ça? Et ben, tu vas venir ici. Là, on va poser ça. Et on va se reposer. Voilà. Donc en fait. Oui, là, on... Ah, j'ai oublié le. La distillerie, tout ça au sous-sol. C'était genre. C'était 20 pierres. Alors, on remet ça. Et je ne sais plus trop combien de pièces de fer complexe. Non. X, non. Pas en fabriquer. En récupérer. Voilà. Et il y avait aussi une histoire. Construction en bois et je ne sais plus trop quoi. Toi, tu peux peut-être me faire quelques clôtures pourries là. Il me faut surtout des belles clôtures évidemment. Non, pas 10. Et quelques croix. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout pour faire les deux. Sous-sol.
pète des choses. Ah, le bureau 2, il me faut une anti-optique. Ok, l'anti-optique. Hein? Oh non! Relou. Alors, il faut 6 pièces de fer. 6 constructions en bois, 2 pièces d'acier et 3 fioles conic arms. Ça, c'est faisable. Faudrait que je fasse une fois ça. Donc une fois ça. Donc une fois ça. C'est très bien. Deux pierres et deux comme ça. Et quatre comme ça, donc il faut des poutres. Arrive toi. Pourquoi tu veux pas faire la croix de pierre? T'as pas d'espace, ok. Prends ça. Je vais au moins faire le premier. Pour le deuxième et troisième, va me falloir que les zombies travaillent bien. Alors, le premier, c'était lequel en vrai? C'était lui, cube à distiller. Donc, c'est un nouveau. Je ne peux pas le tourner. C'est un nouvel outil. Est-ce que je peux le mettre là? Non, forcément. Je ne peux pas le tourner, mais je peux le mettre là quand même. Est-ce que je le mets là ou devant un poteau? À droite, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Cube à distiller. Ok, ok, ok. Alors ces trucs là, je suppose qu'il en faut 4, bien sûr. Bah, je vais commencer par les asticots. Ah, ça donne des petites fioles, d'accord. Ça le fait tout seul, on est d'accord. Oui. Ok. Donc là, ça, je pourrais en mettre plusieurs l'un sur l'autre. Fallait que je remonte deux fois, non? Ouais. Gâteau pour... Quoique je crois que le gâteau ça fait juste que le... un petit bonus fixe par... à chaque fois, quel que soit le... ce qu'on recherche. N'empêche que je peux quand même faire un gâteau.
faire tout ça. Ouais, je vais éviter tout de suite. J'en avais besoin de deux. Donc le jour de l'inquisiteur, on l'a passé sans trop regarder. Le jour de l'astrologue. Faut que j'avance avec Mademoiselle Charme et Mademoiselle Charme. Il faut les papiers d'aristocrate. Donc oui, il faut que j'améliore mes productions de... Il faut que je réussisse à avoir des graines en or, en fait, à monter les niveaux de graines en or. Ça donne pas mal de bleu quand même. Donc j'ai mes lentilles. Hop. Lentilles, c'était pour faire pour améliorer le bureau 1 au bureau 2. C'est quoi le bureau? C'est celui-là le bureau. Ou avoir les deux, mais en général, pas forcément utile. 6 planches et 12 clous. Ah oui, deux fois que je ne suis pas venu. Ça fait presque une pièce d'or, tout ça. Ouais, j'ai 3 pièces d'or. Il faut que j'en dépense 12 d'un coup. Juste pour Mademoiselle Charme.
Ça on vend. Ça on va en vendre 30. Voilà. Ça me paraît bien. 18 pièces d'argent, c'est pas des masses, mais. Mais c'est ce que j'ai. C'est ce qu'ils veulent bien me donner. Ça m'embête beaucoup que je puisse pas me débarrasser de ça en les vendant. Peut-être l'épée et l'armure quand même. Ou alors à celui qu'on voit que la nuit près du fort, l'épée. Alors il veut bien les clous. C'est pas vraiment ce que je suis venu de vendre. Ouais, il vendra une belle et des engrenages ici. Ah, un chaudron. Mais maintenant j'en ai plus besoin. Sur moi, donc il me laissera pas passer. Oui. Tac, j'ai pas de blé sur moi. Pas de raison de passer voir les paysans. Des seaux d'eau là. Ça fait des seaux d'eau juste pour la ville. Quoi? Attendez. Non, ils sont là. Je suis juste aveugle. Aussi je pense pour faire des qu'est-ce ça
évidemment. Là, c'était 4, 5, 6. Là, c'est 3, 2, 2, 3. Il vérifie à quoi ressemble les yeux. Ok, ça c'est immonde. Alors, 2. Ça vaut combien les croix comme ça là? 4. En fait, si je retire juste celle-là, si je dis pas de bêtises, une clôture suffit. Ça, c'est immonde. Là, une clôture en bois en pierre devrait suffire. En pierre. Là. Là, faut tout changer, je crois. Là, une clôture en pierre devrait suffire. En fait, je comprends mieux pourquoi il y a la possibilité de retransformer les clôtures en... les clôtures en... Enfin, les clôtures ou les pierres tombales, et pareil, que ce soit en pierre ou en bois, en pierre par défaut, quoi. Parce que là, toutes celles en bois, au final, on s'en fiche un petit peu beaucoup. 3, on peut retirer ça et mettre le rip à la place. Du coup, je pourrais enlever cette clôture, par exemple.
pour mettre une en bois. J'en ai une sûrement en bois. Et là, il est nickel. Et du coup, j'ai économisé une pierre. Ah. D'ailleurs, oui, j'ai jamais été là quand il faisait sa tronde. Quel chef-d'œuvre! De l'artisanat, tout simplement époustouflant. Votre sainteté. Ah, c'est vous. J'étais juste en train de jeter un coup d'œil. Certaines de ces statues sont loin d'être ratées, vous savez. Pourriez-vous faire une statue de moi? Pour votre tombe? Vous seriez en train de mourir, votre sainteté? Non, non, je suis en parfaite santé. Ce serait juste pour contribuer à étendre ma sainte aura. Oh, attendez, j'ai une idée géniale. Je vais avoir besoin de 3 statues. Une pour mon bureau, faites-la un peu plus grande que les autres, et donnez l'impression que je suis en train de réfléchir à quelque chose d'important. La seconde sera pour la soupe populaire. Donner l'impression que je suis attentionné envers les plus démunis. Mais que je suis également occupé à réfléchir à quelque chose d'important. J'essaierai. Quant à la troisième, nous la mettrons ici, juste devant l'église. Donner l'impression que je suis sympathique et que j'accueille tout le monde. Cette tâche est de la plus haute importance. Elle doit reprendre la priorité sur tout le reste. Sans ces statues, nous ne pourrons pas améliorer la grande église en cathédrale. Ah. 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 Non, pourquoi? En plus, c'est des statues, je sais pas comment on fait. Il faut qu'elles soient dorées. Déjà 200, ça m'embêtait, mais alors là... Oh, vaniteux et tout, mec. Ah, on peut voir ce qu'elles font ici. Permet d'obtenir plus de foi et de dons. Vos oies produiront plus de foi. Plus fortes, qui vous rendront plus robustes. Tous les défunts sont les bienvenus dans notre cimetière. Je sais pas ce que ça peut faire. Et fait une pièce en argent. C'est pas mal, une pièce en argent comme ça, gratos. Parce que là, c'est x1 quand même. Ouais. Bénédiction de commerce. Ça peut être très bien pour moi, vu que c'est mon apport principal en argent. Bref, avec tout ça, il m'a embrouillé. Ça, je peux retirer pour mettre un rip. C'est pas grand chose au final. Augmenter de 1, c'est pas ouf non plus. Que lui avait besoin d'une empire de 2. Donc ça, c'est parfait. Normalement. Je suis toujours à 117. Là, c'est déjà bon. Lui, c'est une empire de 3. Lui aussi.
Du coup, il a passé la journée avec moi dans le cimetière pour ça. Parce que là, tous ces trucs en bois, j'en aurais pas tant l'utilité que ça normalement. Je suis en train de commencer à l'utiliser, je dis ça. Le 1 d'eau qui m'encombre beaucoup pour rien du coup vu qu'il est seul. J'ai des clous, j'ai pas de clous. Non, j'ai déjà fait les 16, je sais plus. Je suis perdu, tout ça. Toi, t'as fini de bosser, genre. Faut faire des, faut en faire des lingots. Non, c'est pas ça. Je vais d'abord faire les lingots, quand même.
débloquer les lingots. Ils sont où? Là. Nyeh. 100 de force, il me faut. Fourneau 2 et fourneau 3. C'est un fourneau combien ça? 3. Il me faut un peu de force. Voilà. Et du coup, normalement, on a fabriqué. On peut fabriquer des lingots de fer, d'argent et d'or. Je n'ai pas de minerai d'or. C'est pas si grave par contre. J'ai de l'argent. On va mettre voilà, du combustible et du combustible. Et tu vas me faire. Ça en lingots. Les lingots, c'est censé se stacker comme le reste, comme les autres. Ok. Il faut quoi pour faire une malle? 4-4-4. C'est des planches. Non, 4 dos, 4 clous, 4 pièces de fer simple. 4 dos, 4 clous, 4 pièces de fer simple. Et masse de billes de bois. Pour cramer les jambes. Un petit peu là parce que sinon je vais être obligé de vous récupérer et ça va m'embêter. Ça prend un peu de place pour pas grand chose. Que si je les mets là, ce sera pas mieux, c'est pas grave. Faut mieux là et que je les récupère un jour quand même que je les oublie totalement. La maille ici, il en faut 8. Oh, ils sont relous. Pourquoi il faut 8 ici? Ils sont relous. Propose de mettre des mâles, une seule évidemment. Je pensais même pas la faire pendant un bout de temps, mais vu le nombre de cadavres que je me dis, il vaut mieux incinérer. J'ai tout pris.
pas le... Mince, je me suis pris 20. C'était pas prévu vu que... Ah ouais, vu que ça descend vite en fait. Bureau 2. Oui, c'est bien là. Retirer. Et voilà, on va le retirer. Et bureau 2. L'établi d'alchimie 2 aussi, j'aimerais faire. Alors ici, on peut faire des prospectus, tout ce qu'on pouvait faire avant. Pour le moment, je vois pas de différence. Peut-être qu'il y en a certaines. Peut-être que les pourcentages de réussite sont un poil plus élevés, mais ça j'en doute. Et l'alchimie 2, il faut quoi déjà? Il faut 6. Ok, j'ai un... J'ai une fiole conique avancée de trop. Ensuite, on fait le bureau d'alchimie. Donc ça, normalement, il prend la même place que celui-là. Oui, c'est bien ça, l'établi d'alchimie 2. Et ça, c'est bien l'établi d'alchimie 1. Oui, donc on va le remplacer. Je peux pas le remplacer sur place, je crois. Non. Donc, on supprime puis on remplace. Quoi qu'il est joli quand même. Mais bon. Retirer. Il est où mon carré? Là. Tac. Retirer. Ça m'a donné une fiole conique avancée, quelques planches de bois. Ça, c'est le 2. Voilà. Et normalement, j'ai mis à jour tout le... Tout ce que je peux dans au sous-sol. Quoi ?
Ah non. Oh. Oh non. Oh non. Alors ça c'est quoi? C'est le broyeur alchimique. Et ça c'est la table d'étude. Broyeur alchimique. Ça avant d'arrêter, je pense. Il faut 3, 6, enfin 6 et 6 et 6 planches. 3 fois 6. Oula, je commence à être fatigué. Pas 18, non. Si, si, 18. 6, 6, 12 et 6, 18. Oui, si. C'était la première intuition, la bonne, mais. Donc 18 planches. C'est des planches. 18 planches. 8 pièces de fer simple. 2 briques de pierre polie. 2 briques de pierre polie. Et 3 pièces de fer complexe. Donc 18, 8, 3 complexes, 18 planches, 8 pièces de fer simple, 3 pièces de fer complexe et 3 et 2 fioles. Donc 18, 8, 3, 3, 2. Et l'huile. Ah si, c'est quand j'ai commencé à les mettre. Oh là là. Donc 10, 8, 8, 3, 3, j'aurais pas 2.
J'ai l'impression qu'on pouvait avant, mais qu'on peut plus. Ou alors ça a toujours été que lui qui réduit les trucs en bois de chauffage. Il semblait qu'avant on pouvait réduire en planches. Et lui il fait les pierres. Ok. D'ailleurs, faut que je descende des pierres et de la tourbe. Non, que je l'emmène. Que je prenne de la pierre et de la tourbe et que je l'emmène au niveau devant l'église. De clôture en pierre avancée. Pas si grave. Alors, retirer. Et ça.
truc. Et en plus, j'ai pas mon... Pause ça et ça. Voilà. On met l'établi d'alchimie 1. Au final, il laisse une place. Oh, c'est pas grave. Vaut mieux les avoir les deux à côté parce que ça m'embêtera moins. Le broyeur alchimique. On peut pas le mettre à côté de l'autre. Donc le broyeur, soit je le mets là. Non, il rentre même pas. Donc soit je le mets en vertical par là. Soit je le mets par ici en bas. Table d'études. On va mettre la table d'études à gauche plutôt. C'était encore rouge parce que... que je l'ai mis puis enlevé. Faut peut-être mieux ressortir table d'études et broyeur alchimique. C'est-à-dire qu'en gérant un peu mieux, enfin en ne mettant pas par thème, j'aurais pu avoir juste une case, enfin un endroit, deux cases de haut disponibles, alors que là j'ai une case et une case. Normalement, enfin j'espère pas qu'il faille être précis au millimètre près. Je sais plus ce que ça fait, la poutre violette, ok. Chaos, oui. Les chauves-souris, c'est le chaos. Voilà. De l'acide. Je sais donc plus ou moins comment on fait de l'acide. Alors la poudre toxique, je crois que je sais pas. La solution du chaos, ça doit être les chauves-souris, on les mélange à la main. L'extrait toxique, je sais pas non plus. Mais la poudre et l'extrait, théoriquement, c'est le même ingrédient. Enfin, quoique, pas forcément. Sur moi. Et là, extrait de vie. Miel ne marche pas. La cire d'abeille ou la gelée verte? La gelée verte. Vite, le sang. Oh non, sérieux. Oh, deux fois d'affilée quoi. Il va me falloir un deuxième râtelier d'alchimie. Vu tout ce que je mets dedans. Mais pas pour cet épisode. Ça, c'est clair et net. Je vais reposer tout ça en haut et on va se coucher. On va terminer l'épisode ici.
Peut-être faire simple. Ça. Ça. Mais la pierre polie, elle va plutôt ici. Par là. Non. Puis vous, je sais pas trop quoi vous faire faire. Ah, il y a plus de... Ah bah non, alors. Ah bah non. Ah bah non, ah bah non. Non, 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 j'ai utilisé tous mes lingots de fer. Waouh. Si ça se trouve, j'ai plus autant besoin de la prière pour le commerce. Voilà. C'est juste pour la prochaine fois. Comme ça, je m'embrouillerai bien avec moi-même. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu cet épisode, que vous continuez d'apprécier Graveyard Keeper. N'hésitez pas à commenter si j'ai loupé un truc, si vous avez des idées aussi pour avancer, si possible, sans que ça reste vos idées, pas du spoil en sachant pertinemment qu'est-ce qui va me fonctionner ou pas. Ni en ayant lu le wiki, j'essaye de pas trop le lire moi-même, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez continuer avec moi ces épisodes, et je peux vous dire à très vite.